Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne des mémoires d'Adrien. Alors on se retrouve pour une vidéo classique du bilan. Alors cette fois-ci, ça va être le bilan de mes lectures du mois de janvier et de février de cette année 2024. Voilà, je suis ravi de vous retrouver dans ce format et je sais que vous l'appréciez aussi au regard des commentaires à chaque fois que j'ai un retour de ce type de vidéo. Alors dans cette vidéo, il va y avoir entre 10 et 15, une douzaine de livres à peu près que je vais vous présenter. Comme à chaque fois, voilà, il va y avoir des romans classiques et plus contemporains, et des ouvrages historiques. Allez, on se retrouve de suite après l'éternel et légendaire générique. Et on va commencer par un roman jeunesse qui s'appelle L'affaire Caius de Henry Winterfeld. Oui, parce que j'avais envie de relire ce roman jeunesse que j'avais lu lors de mon école primaire. Je me souviens à l'époque, je l'avais lu parce que j'avais eu la chance, j'appelle ça une chance, parce que j'étais absolument ravi de ne pas aller dans la classe de neige de CM2. J'étais resté à l'école pour la semaine et le professeur de l'époque m'avait fait lire ce livre, ce roman, donc L'affaire Caius pendant cette semaine. Et c'était génial et j'avais envie de le relire. Donc je me suis replongé dans L'affaire Caius donc de Henry Winterfeld. C'est à lire vraiment un enfant de 9-10 ans est tout à fait capable de lire. C'est vraiment écrit dans un style très limpide, très simple, très clair, très abordable. Donc voilà, donc c'est à la fois policier et à la fois historique. L'histoire, c'est que un jour, dans la classe de l'époque romaine, on est vraiment dans l'époque romaine, il y a le dénommé Rufus qui écrit sur sa tablette, les tablettes de l'époque, Caius est un âne, à propos d'un enfant, d'un compagnon hein, de sa classe. Ce ne sont que des enfants d'aristocrates hein, qui vont à l'école à cette époque-là, donc ce ne sont tous là, des enfants de grands soldats ou de grands politiques de l'époque romaine. Le professeur est furieux de voir ça, c'est un professeur grec, donc à la fois on voit du divertissement dans ce roman, un roman vraiment très sympathique à lire, policier, mais à la fois des éléments historiques très sérieux. Et donc là, le fait que ce soit un professeur grec, c'est très important et c'est très révélateur on va dire, de l'admiration qu'avaient les Romains pour la culture grecque, et c'est vrai que ce soit des esclaves grecs ou des Grecs émigrés à Rome, étaient très souvent utilisés pour faire l'apprentissage des jeunes aristocrates romains. Donc le professeur est furieux, il les punit, etc. Bref. Mais le lendemain, la même inscription est retrouvée sur le mur d'un temple qui a été érigé en l'honneur de l'empereur. Donc là, c'est beaucoup moins drôle, là, c'est beaucoup moins léger, et va commencer évidemment une enquête où le jeune Rufus va être évidemment soupçonné. Les compagnons, ces jeunes compagnons vont partir faire une enquête pour essayer d'innocenter leur ami. Bon, voilà, c'est plein d'enquêtes, d'intrigues, d'aventures. Et en même temps, on apprend plein de choses sur l'époque romaine, l'organisation sociétale, politique, militaire, etc. C'est passionnant à vraiment faire lire à vos enfants si vous en avez qui sont intéressés par l'histoire, qu'ils ont envie de lire un livre sans forcément aller dans des grands classiques de suite. Je trouve que c'est vraiment super pour apprendre la lecture et pour s'engager dans le genre romanesque. Donc voilà, ça s'appelle L'affaire Caius, Henry Winterfeld. Alors moi, je l'ai dans cette vieille édition, mais je sais qu'il a été réédité à nombreuses reprises, donc vous pouvez le retrouver aujourd'hui très facilement en librairie. On alterne avec un ouvrage historique, ça s'appelle Chronique des territoires de David Chantorane, comment les régions ont construit la nation. Je l'ai lu donc pendant ce mois c'était en janvier, parce que j'accueillais David Chantorane sur mon podcast Le Salon Littéraire, donc je vous mettrai le lien de l'interview si vous le désirez dans la description de cet épisode, comme d'habitude. C'est un ouvrage très intéressant, David Chantorane, qui est spécialiste plutôt de l'époque napoléonienne, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'époque napoléonienne. Il est également directeur des revues Napoléon Ier et Napoléon III, donc c'est un vrai spécialiste du Premier et du Second Empire. Mais là, il s'attaque à toute l'histoire de France, et en fait, c'est un véritable voyage historique qu'il entreprend, David Chantorane, dans ce livre. Il va se balader à travers la France, il va prendre les régions, les villes, une par une. Il va se remémorer des souvenirs, des anecdotes qu'il a dans ces endroits, et en même temps, en tant qu'historien, analyser comment cette région, comment cette ville, le département, peu importe le périmètre et l'échelle qu'il choisit, comment ils ont également fait la France, comment l'histoire de France s'est également bâtie dans ces endroits-là. Il essaye de déparisianiser, en quelque sorte, l'histoire de France, en montrant que l'histoire de France ne s'est pas bâtie qu'à Paris et ne s'est pas bâtie qu'au détriment des régions. Évidemment, les régions, les départements, les provinces ont été les premières victimes, entre guillemets, de la construction de l'État français, et c'est ce que montre
contre cet ouvrage. Donc en cela, il est assez subversif par rapport à ce qui peut se dire parfois de nos jours. Mais également, il montre que voilà, il y a eu des héros, des personnages importants dans ces territoires dont on n'entend pas tout le temps parler et qui sont également importants et qui ont construit l'histoire de France. Donc c'est très important, très intéressant, bien écrit comme d'habitude. À la fois donc des anecdotes géographiques, patrimoniales, la description de la nature, d'un port, d'une église, etc. Et également des références donc romanesques, cinématographiques et historiques, vraiment très documentées, très intéressantes. Voilà, je vous le recommande vraiment. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres d'histoire, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui vous replonge dans l'histoire de France, mais d'une autre manière. C'est une autre manière d'écrire l'histoire de France, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, David Chantran, comme je l'ai déjà dit, a une écriture fluide et presque romanesque. Il le fait souvent dans ses livres. Il a toujours un angle assez original pour aborder l'histoire, et là aussi, il le prouve encore une fois dans ce livre. Pour en savoir un peu plus, je vous invite vraiment à aller écouter donc, l'entretien que j'ai eu avec lui dans mon salon littéraire, donc je vous mettrai le lien, mais déjà, un petit aperçu, avec donc Chronique des territoires, et je ne l'ai pas dit, c'est édité chez Passé Composé. Voilà. On reconnaît tout de suite Passé Composé, là, je ne sais pas si on le voit bien, mais avec la vague, ça fait une goutte à chaque fois, les éditions Passé Composé. On va revoir après pour un autre ouvrage, mais il y a toujours cette petite spécificité de la maison d'édition. On alterne avec un roman et un classique du genre horrifique, plutôt Bram Stoker, Dracula. Voilà, là, moi je l'ai dans cette édition, j'ai lu. Très belle édition, vous voyez, avec, donc on reconnaît de suite Dracula, évidemment. On suit donc les aventures donc, de Jonathan Harper, qui est un jeune et brillant clerc de notaire et qui est appelé dans une mission dans l'Europe de l'Est pour aller essayer de faire négocier une vente de maison à Londres pour le comte Dracula. Évidemment, on connaît tous Dracula, nous, donc on sait tous à qui il va avoir affaire, mais il faut savoir que lorsque les personnes ont lu ce roman de prime abord, ils ne savaient pas du tout qui était Dracula, et c'était un nom assez banal pour eux. Donc il faut essayer de se mettre dans l'esprit des gens qui ont lu ce livre sans avoir ensuite toute l'iconographie et toute la légende qu'il y avait autour de Dracula. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il ne composait que de lettres, qu'il envoie à sa future épouse, Mina, et puis ensuite que Mina envoie avec une amie, puis d'autres personnes, etc. Enfin, c'est plein de gens qui s'écrivent des lettres, et donc ainsi raconter l'histoire de Dracula. Il arrive dans le château donc, de Dracula, il est très bien accueilli, le comte Dracula est très hospitalier, il lui sert à manger, etc. Il ne mange jamais avec, par contre. Donc là, il commence à se poser des questions. Pourquoi ne mange-t-il jamais avec ? Pourquoi il entend des gens murmurer des choses dans les couloirs très étranges ? Pourquoi un jour où il est en train de se raser devant un miroir et qui se coupe un petit peu la peau, Dracula devient complètement estatique, se jette sur lui, il dit « Arrêtez de suite, il ne faut plus jamais que vous fassiez ça, etc. » Et il trouve ce comportement très étrange. Donc, plus les jours passent, et plus il se dit « Là, il y a quelque chose de pas net. » Il va essayer de s'échapper, etc. Ça, c'est vraiment le tout début du roman. Il essaie de s'échapper parce qu'en fait, il se rend compte que le château est érigé dans un endroit où il n'est plus possible de partir. Il est enfermé. Et donc ça, c'est vraiment les premières pages. Cette ambiance est absolument géniale. Voilà. Même quand on sait qui est Dracula, même quand on sait ce qui va lui arriver, absolument génial comme ambiance. Et après, et c'est vraiment les premières pages, et après, il y a tout un autre ensemble de péripéties qui se passent une fois cette première phase achevée. Et je trouve que, alors je ne vais pas en dire plus sur le récit, mais là, je trouve que c'est là que ça a mal vieilli. Tout le début a très bien vieilli. Tout le début sur l'ambiance des premières pages, des premières impressions, des premières inquiétudes vis-à-vis de Dracula sont génialissimes, et aujourd'hui encore. Et après, ça se lance dans quelque chose de beaucoup trop long, de pas très crédible, de très vieillissant, de pas moderne du tout. Et du coup, la lecture, ça ne dit rien de la qualité de l'œuvre, qui évidemment, lorsqu'elle est sortie, a été terrible, et puis... Mais aujourd'hui, il y a des classiques qui se lisent encore bien aujourd'hui. Celui-ci, je trouve qu'il a mal vieilli. Et vraiment, j'ai dû tirer sur le fil, sur la corde pour aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais. C'était très répétitif. Les personnages ne sont pas très cohérents. Les personnages sont même agaçants par moments. Ils m'ont assez fatigué, notamment un personnage en particulier. Je ne vous dis pas lequel. Mais puis même le personnage de Mina, qui ensuite prend plus d'importance. Et pas forcément très attachant. Pas crédible. Et les réactions ne sont pas du tout réalistes. C'est ce que je remarque souvent dans la littérature de cette fin du 19e, début du 20e siècle anglo-saxonne. J'ai un peu le même avis sur Lovecraft. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé.
Et là, je retrouve un peu la même chose. Donc, ben, une lecture retentissante, un classique qui a tant inspiré, et on le comprend pourquoi lorsqu'on lit notamment les premières pages de ce roman, mais un roman qui, selon moi, a mal vieilli, et cela se ressent vraiment. Et à la fin, je me suis dit, ouf, enfin, je trouve que la fin, d'ailleurs, est catastrophique. Voilà, je ne vais pas en dire plus, évidemment, mais je trouve que la fin est catastrophique, très mauvaise et presque niaise. Donc, voilà, je suis pas complètement emballé par ce classique de la littérature d'horreur horrifique, Dracula, donc, de Bram Stoker. Il reste que l'édition, je trouve qu'elle est géniale. Voilà, j'ai lu comme ça, je trouve qu'elle est très très belle. Autre ouvrage historique que j'ai également abordé dans mon podcast Le Salon Littéraire, je vous mettrai également le lien de cette interview, Loris Chavanet, donc le 14 juillet de Mirabeau, La Revanche du Prisonnier. On va suivre donc les aventures de Mirabeau, que vous connaissez bien, en tout cas que vous le connaissez de nom, pour sa célèbre phrase « Nous sommes entrés ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la puissance des baïonnettes ». Évidemment, il aborde cette phrase dans le livre, le contexte, pourquoi elle a été prononcée, pourquoi elle est devenue aussi mythique, mais pas que. Il aborde également quelque chose qu'on entend moins souvent, c'est-à-dire toute la jeunesse de Mirabeau, toutes ces années de prison, parce qu'il a beaucoup fait la prison Mirabeau dans sa jeunesse, envoyé par son propre père par lettre de cachet, donc sans procès, parce que c'était un être très endetté dans le divertissement, dans l'amusement. Il s'était un vrai subversif, un vrai rebelle. C'était quelqu'un de pas très fréquentable, Mirabeau, dans sa jeunesse, avant de devenir donc le dieu de la Révolution, selon les mots de Victor Hugo lui-même. Donc il aborde très bien la jeunesse de Mirabeau, les jours de juillet 1789 et l'importance qu'il a prise, quand on sait quand même que le Panthéon a été érigé pour lui, lorsqu'il décède. Le Panthéon a été érigé pour Mirabeau parce qu'il était devenu, comme je dis, le dieu de la Révolution. Il était un peu plus âgé que ses collègues révolutionnaires qui avaient à peu près entre 20 et 30 ans. Lui, il avait déjà la quarantaine au moment de la Révolution, donc il avait cette figure de patriarche et cette figure un peu supérieure aux autres révolutionnaires qui ont fait qu'ils l'ont tant admiré avant de le rejeter et de jeter sa dépouille dans les égouts parisiens lorsqu'ils ont découvert qu'en fait, il était également de mèche avec la cour de Versailles, avec le roi, alors qu'il était très sévère avec le roi. Il explique tout ça. Il explique également l'importance de son père lorsqu'il l'a mis en prison dans sa jeunesse, et puis l'importance du père qui décède quelques jours avant le 14 juillet 1789. C'est très intéressant. C'est un vrai scénario de cinéma que la vie de Mirabeau. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Et Loris Chavanet, comme dans sa précédente biographie croisée de Robespierre et de Danton que j'avais adoré, a cette particularité de rendre à l'histoire ce souffle épique qui lui manque tant, je trouve, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ses ouvrages. Celui-ci est génial, je vous invite à le lire. Donc c'est chez Talendier, le 14 juillet de Mirabeau. Un roman arthurien qui sort en 2023, c'est quand même pas rien, et c'est ce qu'on a avec Séguron, le chevalier au dragon. Alors, je vous ai mis sur YouTube ici l'entretien que j'ai eu avec cet auteur, donc vous le connaissez très bien, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à aller la voir, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, mais je me suis entretenu avec, pas l'auteur, hein, évidemment, parce que l'auteur est décédé depuis plusieurs siècles, mais avec celui qui a retrouvé ce roman, Emanuele Arioli, donc édité aux belles lettres, très très belle édition, je trouve. Et donc, c'est ce roman arthurien sur Séguron, le chevalier au dragon, qui a été retrouvé après 10 années de recherche par Emanuele Arioli, et ce Séguron qui naît sur une île, qui est très fort comme chevalier, il arrive à battre tous les chevaliers de la table ronde, donc légendaire. On se demande pourquoi il est ainsi tombé dans l'oubli après des siècles ainsi d'écriture. On explique tout ça dans l'entretien, et également très bien expliqué dans une préface, hein, dans une préface dans ce livre, puis une postface, et puis l'aventure en elle-même, on retrouve le charme de la littérature médiévale, le charme de ces romans arthuriens, ce style, et un chevalier très atypique, parce qu'il n'est plus dans les valeurs de la chevalerie de l'époque, et il n'est pas encore dans la littérature que l'on va retrouver ensuite à partir du XVIe siècle. Il est un peu entre les deux, il préfigure Don Quichotte également avec une sorte de parodie des valeurs et des codes de la chevalerie, de l'humour. Il n'a pas d'histoire d'amour, contrairement aux autres chevaliers de la table ronde, donc il est vraiment dans cette phase de transition, c'est peut-être pour ça qu'il a été oublié, parce que l'histoire ne retient pas les transitions, et c'est vraiment très très bien, l'édition est très belle, il en a également fait un album jeunesse et une bande dessinée, un très bel ouvrage à voir dans sa bibliothèque, moi je suis très content de l'avoir, et de l'avoir lu, enfin quand même, se dire qu'on lit un roman arthurien inédit en 2024, je trouve que c'est classe, voilà, Séguron, le chevalier au dragon, aux éditions Les Belles Lettres.
Vous voyez là, la fameuse goutte ou la vague là dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Encore les éditions passées composées, Les Barons du Gaullisme de Pierre Mananti. Encore un historien avec lequel je me suis entretenu dans mon salon littéraire, donc le fameux podcast. Je vous mettrai évidemment, vous en avez l'habitude maintenant, le lien dans la description. Donc là, il nous parle des barons du gaullisme, que sont les Roger Frey, Debray, Chaban-Delmas évidemment, Faucard, Guichard ou encore Jean-Gaston Paleski. Et donc, ces six portraits de ce qu'on appelle les barons du gaullisme, pourquoi eux? Parce que c'est eux qui se réunissaient dans un endroit chaque mercredi, pendant le pouvoir, le régime gaullien, puis après, et qui faisaient, pas la pluie et le beau temps, mais qui se réunissaient alors qu'ils possédaient, ils occupaient les grands postes de la République à l'époque. Ou pas forcément, même quand ils n'étaient pas au pouvoir. Et donc c'est ce qui ont fait qu'on les a appelés petit à petit les parents du gaullisme. C'est intéressant comme livre, vraiment. J'apprécie toujours les œuvres de Pierre Mananti parce qu'il a cette capacité très minutieuse à évoquer toutes les anecdotes qui entourent les personnages dont il parle. Il y a plein de noms, il y a plein de sigles, etc. C'est vraiment très, très, très détaillé, c'est très bien décrit. On est vraiment plongé dans cette France des années 50, 60 et autres. On se rend compte par tous ces portraits que, en fait, à chaque fois, c'est une écriture, une réécriture de la 5e République. On les voit s'entrecroiser et tout. Donc c'est presque comme s'il y avait une série avec 6 épisodes, avec un portrait pour chaque épisode. Et puis en fait, chaque portrait permet de compléter tout un ensemble. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien construit, c'est assez intelligent comme découpage. Il aurait pu en choisir un autre, mais du coup, ce découpage-là est assez judicieux, je trouve. Et puis après, dans une seconde partie, il va aborder ceux qui auraient pu être des barons du gaullisme, qui ne le sont pas. Il essaye d'apporter sa propre explication et de savoir pourquoi. Et puis, évidemment, autour de ces barons, on a la figure tutélaire, la figure mythique du général de Gaulle. On voit qu'il n'est pas forcément toujours très agréable avec eux, qu'il est très exigeant, mais ce qui en fait un grand homme, un grand chef d'État, c'est qu'il est aussi exigeant, voire plus exigeant avec lui-même qu'avec eux. Et ça, c'est assez formidable et c'est assez épatant lorsqu'on lit les pages donc, de ces Barons du gaullisme de Pierre Mananti, donc édité, donc, la fameuse goutte, chez Passé Composé. Un ouvrage qui est aussi entre le roman et l'ouvrage historique, ça s'appelle Rose Valland, l'espion à l'œuvre. C'est un récit, vous voyez, c'est sous-titré récit, c'est sous-titré également La femme qui sauva 60 000 œuvres pillées par les nazis. C'est édité chez Robert Laffont et écrit par Jennifer Lezieur. Voilà. C'est un ouvrage vraiment passionnant, j'ai vraiment adoré le lire. Cette jeune femme qui arrive de sa province, qui s'installe à Paris, passionnée d'histoire de l'art, qui va travailler dans un musée, et qui va tomber, on va dire, au mauvais, au bon moment, enfin, au mauvais moment, au mauvais endroit. Elle assiste donc au pillage des œuvres d'art françaises, en tout cas possédées par la France, par les nazis, et elle va décider, aussi discrète qu'elle est, aussi minutieuse et curieuse qu'elle est, de faire en sorte de les sauver plus tard. C'est-à-dire qu'elle va assister à tout ça, elle va tout noter, elle va tout le temps être présente quand les nazis vont être à l'œuvre pour piller ses œuvres, mais du coup, par sa discrétion, les nazis ne se méfient pas d'elle, elle est tout le temps là, elle note tout, elle prend des risques parce qu'elle prend des documents pour ensuite aller noter le soir, etc. Se mêle également à sa vie privée, qui était subversive à l'époque, parce qu'elle était en couple avec une autre jeune femme, donc là aussi il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Elle avait également participé avant au transfert de centaines de milliers d'œuvres par camion, par des toiles, etc., à Valençay, par exemple, où vivait à l'époque Talleyrand, et donc on voit déjà cette première étape du sauvetage d'œuvres par le transfert des grands musées parisiens, puis après ceux qui sont restés, les œuvres qui sont restées dans les musées parisiens, ont essayé d'être pillées par les nazis. On voit les personnages qu'il y avait dans l'armée allemande, et également parmi les rangs du parti politique nazi, qui ont essayé de tirer parti de cette époque pour se faire leur propre collection, et puis les années qui suivent, où elle va aider à retrouver toutes ces œuvres, toutes ces aventures, pas forcément aidées, avec des obstacles, par les pouvoirs publics français eux-mêmes, parce que ben voilà, les suites de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus trop envie d'en parler. Elle a essayé d'être. On a essayé presque de l'effacer de l'histoire, parce qu'elle venait presque être un obstacle à la tentative de réconciliation avec l'Allemagne. Donc il y avait tout ça à équilibrer. Un ouvrage passionnant. Comme je vous le dis, ce n'est pas un roman et ce n'est pas un ouvrage historique, c'est entre les deux. Donc ils ont choisi, les éditions Robert Laffont, d'appeler ça un récit. C'est vrai que c'est presque un récit journalistique, mais c'est bien écrit et c'est bien documenté. Donc récit, ça aussi entre les deux, mais pour moi, c'est pas un roman historique non plus, mais c'est vrai que j'ai du mal
à le catégoriser, ce livre. Enfin bon, peu importe, les catégories importent peu. Vous allez prendre un grand plaisir à le lire comme moi. En plus, c'est assez court, hein, c'est même pas 300 pages, même pas, vous voyez, 220 pages. Donc, et ça suffit. Voilà. Il y a des fois des livres historiques qui vont faire 600, 700 pages. On se demande pourquoi, il y en a parfois trop. Là, ça suffit, alors que c'est très ample comme document. C'est très ample et c'est très vaste et c'est exhaustif. Donc voilà, c'est génial, vraiment, j'ai passé un très bon moment avec Rose Valland, L'espion à l'œuvre de chez Robert Laffont, par Jennifer Lezieur. Et enfin, j'ai lu 4 autres romans, je ne les ai pas là avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais c'est en préparation d'un podcast futur avec donc David Fuenquinos, l'auteur contemporain à succès, le romancier à succès, qui va bientôt venir sur le podcast du Salon Littéraire, et donc je me suis lancé à la découverte de son œuvre romanesque. J'ai pas lu tous ses romans parce qu'il en a écrit, je crois, plus d'une quinzaine. Enfin, il est très productif, comme romancier, mais j'en ai lu quand même pas mal. Et puis je compte encore en lire pour préparer ce podcast. Donc je vais en avoir lu quand même une très grande majorité. Donc là, pour l'instant, donc j'ai lu La délicatesse, Charlotte, Vers la beauté, ainsi que La famille Martin. Alors, je vais parler dans le détail de chacun de ses romans. Mais je trouve que, et je comprends pourquoi ce romancier peut être un succès. Alors certains diront, esthétiquement, c'est pas bien écrit. Je suis pas complètement d'accord avec cette phrase, et encore une fois, la portée et la visée de son œuvre n'est pas esthétique. Donc je pense que, et lui-même, je l'ai vu, cet entretien, l'admet lui-même, c'est pas la visée de faire du style pour le style. Il est dans la volonté, selon moi, hein, mais j'en parlerai avec lui, et j'ai hâte de pouvoir en parler avec lui, de préfigurer et de montrer que, à travers différents portraits de la société contemporaine, mis à part peut-être Charlotte, sur lequel je reviendrai après, mais sur le fait que les gens, qu'il peut analyser, en tout cas qu'il met en scène dans ses différents romans, ne sont ni heureux ni tristes. Il n'y a jamais un état très défini entre la joie, entre le bonheur et le malheur et la tristesse. Et je trouve que tous ces personnages, dans tous ces romans, peu importe le sujet qu'il aborde, peu importe le contexte, répondent à cette volonté, répondent à cette assertion qu'il y a dans un de ses livres, qui s'appelle donc La famille Martin. Il le dit, cette phrase, « Mes personnages ne sont jamais ni heureux ni malheureux ». Et je pense que c'est ce qu'il a dû analyser de la société, ce qu'il a dû analyser de la vie, c'est que la vie n'est jamais complètement légère, n'est jamais complètement tragique, qu'elle oscille toujours entre les deux. Et c'est ce que j'ai remarqué, vraiment, ce pendule entre la joie et la tristesse qu'il y a dans tous ces romans. Il y a des romans, alors par exemple, je pense à La délicatesse. La délicatesse, qui peut sembler un roman très léger, où la femme travaille dans une entreprise, elle a un mari. On ne sait pas trop, d'ailleurs, ça a l'air presque superficiel, leur amour au début, on ne sait pas trop s'ils sont heureux ensemble, etc. Et puis d'un coup, c'est un drame. Mais le drame, rien ne nous prévient qu'il va arriver. C'est ça qui est assez fort et qui est assez choquant dans les livres de David Fuenquinos, c'est que d'un coup, la tragédie survient sans qu'on puisse, en tant que lecteur, en être prévenu, sans qu'on puisse se dire dans les pages qui précédaient ce drame, là, il y a quelque chose qui va arriver. Et cette soudaineté, je trouve qu'elle est représentative de ce que je disais, donc cet oscillement, cet équilibre, ce déséquilibre entre la joie et la tristesse, et donc c'est le drame dans La délicatesse. Le conjoint, c'est au tout début du livre, le conjoint va décéder, et elle va essayer d'assumer, elle va essayer de vivre avec ce décès, et elle-même n'a pas l'impression qu'elle est complètement bouleversée par ce décès. Et c'est ça qui est presque perturbant dans ce livre qui a été adapté au cinéma par David Fuenquinos lui-même et par son frère. Et on suit donc les aventures de cette femme qui ensuite va devenir amoureuse de l'homme peut-être le plus banal de son entreprise, un Suédois, tout simplement parce qu'il est délicat, d'où la délicatesse. Donc on a ça dans ce roman, on a également ça dans Vers la beauté. Vers la beauté, c'est un roman très particulier, très atypique. On est dans un musée, qui est d'Orsay, je crois, à Paris, je ne sais plus exactement quel musée. Un homme arrive pour devenir le gardien de musée. Bon, jusque-là... rien de plus banal. Sauf qu'on apprend qu'en fait, c'est un grand professeur d'université, un spécialiste de Modigliani, et la DRH du musée elle-même se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi avoir abandonné sa chaire à l'université de Lyon pour venir dans un musée et être gardien de musée ?» Donc, on pourrait presque s'en amuser de cette situation. Sauf qu'après, on va remonter le fil de sa vie et de la vie d'autres personnes qu'il a croisées à Lyon et autres. En fait, c'est complètement tragique, comme livre. C'est bouleversant.
je vous en dis pas plus, évidemment. Pour ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir votre avis également. Mais là aussi, on ne peut pas se dire en débutant ce roman que ça va terminer de manière aussi tragique. Et il y a une écriture chez Fuenquinos qui, évidemment, n'est pas forcément à portée purement esthétique, mais une écriture qui, justement, je trouve qu'elle est parfaitement adaptée à son récit, à ce qu'il raconte, c'est-à-dire une écriture presque légère, presque en apesanteur, presque pas froide, mais une écriture... oui, en apesanteur, je trouve que c'est le mot. Et d'un coup, boum, c'est le drame, et on le sent pas venir, parce que même dans son écriture, il n'y a rien qui nous fait penser que la tragédie va arriver. On se croirait dans une comédie, et d'un coup, boum, et je trouve ça très lourd, et Vers la beauté, moi, m'a vraiment bouleversé, ce qui arrive à certains des personnages. La famille Martin, également, la famille Martin, qui est peut-être son roman le plus léger, puis d'un coup, boum, la lourdeur aussi. Famille Martin, c'est un romancier à succès, on pense que c'est David Fuenquinos, parce que quand même pas mal d'éléments qu'il nous donne qui sont liés à ses personnages à lui et à sa vie. Et en fait, il a un manque d'inspiration et il se dit « Je vais descendre en bas de la rue, chez moi, et la première personne que je vais croiser, la toute première personne, là, je ne vais pas tricher avec ça, je vais écrire un roman sur sa vie. » Donc il croise une dame, une personne âgée, chez qui il s'invite, puis ensuite il va s'inviter chez sa famille, chez ses filles, etc. Et en fait, le livre nous montre que derrière toute famille, derrière toute personne, eh bien, il y a un récit. Il y a une biographie à faire, il y a des tragédies, il y a la vie, en fait. Et donc, cette famille Martin qui semble banale, et donc le mot Martin, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai, tout ça, j'imagine que c'est pure fiction, mais le mot Martin rend le destin de cette famille encore plus banal, parce que c'est le nom commun le plus commun, le plus courant en France. Et pourtant, derrière, il y a quelque chose de très spécifique. Il y a une fille, un frère, une sœur avec qui on ne se parle plus, un amour transi qui est parti aux États-Unis. Enfin bref, il y a tout un ensemble d'aventures et puis également des drames. Et donc on suit vraiment ça dans toutes les œuvres de David Fuenquinos. Puis après il y a Charlotte, donc le quatrième que j'ai lu, qui là est beaucoup plus lourd en apparence. D'ailleurs il a eu le prix Renaudot pour ce livre. Donc l'histoire de cette Charlotte, juive allemande, passionnée d'art, qui va essayer de percer dans le milieu artistique, mais dans les années 30 et 40 en Allemagne, en étant juive, bah, vous imaginez les complications et le drame qui va suivre. Et cette Charlotte, son destin va se terminer de manière complètement bouleversante. Et David Fuenquinos lui-même se met en scène, peut-être pour l'une des premières fois dans ses romans, parce qu'il raconte à la fois le destin de cette Charlotte et à la fois, lui, sa propre recherche et son propre lien avec la recherche, avec le personnage vers qui il est en train d'aller. Et c'est très dur à lire par certaines pages. Et en même temps, dans ce roman également, il y a parfois des moments de légèreté, des moments divertissants, où lui-même parfois rigole de sa propre enquête. Et donc il y a toujours ça dans les livres de David Fuenquinos, ce très fragile équilibre de la vie entre la joie et la tragédie. Voilà. Pour l'instant, vraiment, la première analyse que je peux faire des œuvres de David Fuenquinos, je suis en train de lire le mystère Henri Pic, un autre de ses livres. Et puis son tout dernier roman donc, que je suis en train de lire, et on en parlera également avec lui, qui s'appelle La vie heureuse, donc chez Gallimard, qui est paru là, je crois, en début d'année. Et donc La vie heureuse, je trouve que c'est un bon titre par rapport à tout ce que je vous ai dit, La vie heureuse. Pourquoi devoir dire heureuse? Est-ce que c'est un pléonasme? Est-ce que c'est un oxymore? Est-ce que c'est les deux à la fois? Je suis vraiment très curieux de lire un peu plus, que je suis vraiment au tout début là, de ce roman, pour voir si là aussi, La vie heureuse est également malheureuse. Bon bref. Tout ça pour dire, je n'en dis pas plus, je vous avais dit, je ne vais pas en dire trop, bien en fait, ça fait presque 10 minutes que j'en parle. Voilà, donc pour cette vidéo du bilan donc du mois de janvier et de février, je vous avais dit une douzaine, un peu plus de livres que j'ai lus entre janvier et février de cette année. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer cette vidéo, si vous voulez, ça, à la limite, peu importe, à la partager, mais surtout, voilà, à la commenter, pour que moi, je puisse avoir votre avis sur les livres que j'ai lus, sur ce que j'ai pu dire. Vous pouvez également ne pas être du tout d'accord avec ce que j'ai dit, notamment sur Dracula. J'aimerais bien savoir ceux qui l'ont aimé, pourquoi vous l'avez aimé et qu'est-ce que vous y avez trouvé. Et est-ce que vous trouvez que c'est une lecture qui a bien vieilli? Ça, je suis intéressé. Enfin, le fait de savoir si Monsieur Fuenquinos, David Fuenquinos, vous le lisez, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas du tout, pourquoi, comment, etc. Des livres que vous me conseillez de lui ou pas, et qui sont caractéristiques de son œuvre, et puis surtout, voilà, également ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu ces derniers temps, les conseils que vous pourriez me donner, j'en suis absolument curieux. Vous me connaissez, ma curiosité à savoir ce que vous lisez. J'en termine par là, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo de cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.